Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo test de produits. J'ai eu la chance de trouver chez Action les petits kits d'encre à alcool avec du glitter. Alors, je vous montre d'abord les couleurs. Je vais d'abord vous montrer les deux couleurs que vous voyez testées sur le papier. Donc, il y a ce set-ci et ce set-ci dans les verts. Alors, je tiens à préciser que c'est un test qui est fait totalement à l'arrache. Pourquoi ? Je n'ai pas de papier spécial encre à alcool ni de papier Yupo. Je n'ai pas de produit blender mais de l'essence sans alcool et de l'alcool tout simplement. Et bien, malgré que c'est un test à l'arrache, je suis plutôt contente. Voilà. Donc vous voyez que même sans blender, juste avec de l'alcool, on peut réussir à faire des nuances. Donc ici, ce sont les deux verres. Mais j'avais mis trop de paillettes. Quand vous prenez trop avec la pipette, il y a vraiment beaucoup de paillettes. Alors ici, c'est le jaune. Il est plus foncé quand je ne mets pas d'alcool, plus clair là où j'ai mis de l'alcool. Et ici, c'est un espèce de marron orangé où, même chose, je l'ai dilué en fait avec de l'alcool pur. Enfin, vous verrez, hein, on va tester les autres ensemble. Donc, voilà. Donc, comme quoi, ok, ce serait peut-être encore plus net sur du papier Yupo, mais quand on n'a pas, on fait avec les moyens du bord. Donc, moi ici, j'ai utilisé du papier photo brillant. Alors, on va enchaîner avec, enfin, on va enchaîner. Il y a également le mauve, on a du turquoise, on a du bleu, on a rouge-orange, on a dans les roses, et on a du gris et du noir. Donc, ben moi, ce que je vous propose, c'est de le faire. Voilà, on va tester tout ça ensemble. J'ai ma plaque en verre, donc moi, pas de souci. Si vous n'avez pas de plaque en verre, ça tâche très très fort. Donc, n'oubliez pas de mettre quelque chose pour protéger en dessous. Alors, je vais prendre les turquoises, tout simplement. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a vraiment beaucoup de paillettes. Donc, au plus vous secouez, au plus vous allez avoir de paillettes dans la pipette. Si vous ne secouez pas, il y a moyen d'avoir totalement sans glitter. Donc ça, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors, je vais faire le premier coin ici. Je vais d'abord mettre l'encre et puis je mettrai un petit peu d'alcool. Et à côté, ensuite, je mettrai de l'alcool et puis l'encre au-dessus pour que vous puissiez voir. Donc là, on y va. Je le mets tel quel. Voilà. Alors, je ne suis pas experte en encre à alcool. Je ne sais pas du tout si en faire de magnifiques peintures, voilà, elle serait valable. Mais je pense que pour faire des petits fonds sympathiques de mix média ou de patouille comme moi, je les aime beaucoup. Hop. Donc vous voyez ça, enfin je sais pas si vous voyez bien, mais ça glisse moins bien que sur du papier qui est vraiment adapté pour ça. Mais regardez, ici j'ai mis de l'alcool en dessous déjà, vu que j'en avais remis au-dessus. C'était pour vous montrer la différence, mais en fait moi ce que je préfère, c'est de mettre d'abord l'alcool et puis les encres. Mais c'était pour vous montrer là différentes façons de faire. Donc évidemment, désolé pour les chiens, ce que vous voyez dans la petite pipette, bien évidemment, c'est ce que je prends de ma bouteille d'alcool. Alors voilà, ici j'en ai mis beaucoup plus de l'alcool, donc hop, on va obtenir cet effet coulure. Zoup. Bon, comme je vais continuer avec la même couleur, moi je ne vais pas sécher, sinon si vous ne voulez pas que tout se mixe, il faut bien sécher entre deux. Ici, je vais prendre d'abord de l'alcool. J'espère que vous voyez bien. Je vais en mettre là où je veux venir appliquer ma couleur. Et vous allez voir que quand il y a déjà de l'alcool sur le papier, eh bien,
pouf, vous voyez, ça se diffuse directement beaucoup mieux. Et du coup, ben, vous pouvez jouer légèrement avec votre papier. Bon, ici, c'est pour faire un petit tuto vite fait, bien fait. Enfin, ça n'est même pas un tuto, un petit test, pardon, vite fait, bien fait. Il est clair que si vous pouvez, enfin, vous utilisez une paille, vous allez faire d'autres effets. Hein. Ici, c'est vraiment, j'avais envie de les tester. Et quand j'ai commencé à les tester et que j'ai vu que le résultat était sympa, que j'ai été pas mal absente bah, ces derniers jours, ces 10 derniers jours, j'ai pas, voilà, j'étais pas vraiment au top, donc j'ai pas vraiment pu publier de vidéo. Donc, comme ça, eh bien, j'ai un peu de temps avec vous et je fais mon petit test en même temps. Voilà, alors après, si je trouve qu'il y a des endroits qui sont trop foncés, eh bien, je reviens avec de l'alcool par-dessus et ça va rediluer et refaire des taches. C'est ça que j'aime bien, c'est que vous faites des taches dans les taches en fait. Évidemment, avec un blender spécial, je n'en ai plus, il est complètement vide. Et qu'un blender spécial, bah, c'est là que vous voyez les superbes fonds des spécialistes sur YouTube, etc., où vous voyez des ronds dans des ronds dans. J'ai même regardé un tuto d'une dame qui a réussi avec des embouts comme ça à dessiner un coquelicot. Chose que je serais totalement impossible de faire vu. Incapable, pardon, de faire vu que je ne saurais même pas le faire avec un crayon. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas l'éclaircir plus que ça pour celui-là. Et on va prendre le deuxième. Voilà. Comme vous avez compris la technique, pour pouvoir continuer mon fond correctement, bon, moi je vais appliquer l'alcool directement parce que ça se diffuse mieux. Mais bon, vous avez vu que voilà, on peut en mettre avant, après, pendant. Ça c'est vous jouer et mais pour obtenir ce qui, voilà, ce qui vous convient. Regardez ici, j'ai remis de l'alcool au-dessus, vous voyez, c'est devenu beaucoup plus clair. Bon, ici, comme je reste dans le même mix de couleurs, je vais prendre le risque de ne pas sécher. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. J'ai pris plus de paillettes aussi, normalement. Donc, là. Je vous le rapprocherai après, hein, surtout quand ce sera sec. En fait, je ne sais pas si vous le voyez de loin, mais en fait, il est plus vert, le deuxième. Donc, vous voyez ici, comme ma couleur, je l'avais déjà séchée. Je suis passée dessus, mais c'est pas très grave. Les couleurs ne se mixent pas, ça vient en transparence. Tandis que si j'avais pas séché avant, ça m'aurait, mon brin là m'aurait fait à mon avis un brin caca tout pas beau. Bon alors il va de soi aussi, moi j'utilise là de l'alcool pour désinfecter les blessures. Parce que allez savoir pourquoi en Belgique l'alcool ménager, à part dans les drogueries, ils connaissent pas. Donc, j'en ai eu marre de chercher et de ne pas trouver. Donc, je me suis rabattue sur de l'alcool à désinfecter et ma foi, ça fonctionne très bien. Bon, c'est plus cher que l'alcool ménager, mais ça fonctionne. Hop. Voilà, bon, vous avez vu grosso modo le principe. Je vous mets en pause, je sèche ceci et je vous montre ce que ça donne séché. Voilà ce que ça donne séché et c'est bien dommage, je pense que vous ne voyez pas réellement la différence de couleur. Pourtant là et là, c'est pas du tout bleu comme vous le voyez, c'est du turquoise foncé et clair. Mais bon, c'était surtout pour aussi vous montrer le principe. Ce que je vous propose, c'est de continuer à tester toutes les autres couleurs, mais bon, je ne vais pas blablater tout le long du truc et faire une vidéo de 40 minutes. Juste pour un test. Donc à partir d'ici, je vous montre les couleurs, je les teste, mais je vous mettrai en accéléré. Voilà. À tout à l'heure.
Voilà, je reviens vers vous. Alors, regardez, faites attention. Hein, voilà, faites pas le cochon comme moi. Donc, voilà, grosso modo, ce que donne une partie des couleurs. Il me reste de l'eau à tester, mais j'ai bien envie de les tester. Mais oui, oui, je suis folle, mais sur du papier vélum. Donc, je vous montre ceci, car là, tout simplement, j'ai envie de faire un petit test. Je vais prendre de l'alcool, je vais mettre des gouttelettes et je vais venir repasser un coup d'heat gun dessus. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein, c'est du freestyle, donc on y va. Je mets des gouttelettes un peu partout avec ma pipette. Hein, ben je pense écoutez, que ça va fonctionner parce que vous ne le verrez peut-être pas à la caméra, mais moi je vois déjà les ronds qui apparaissent. Ça éclaircit les couleurs, ça fait des ronds, c'est plutôt sympa. J'en mets encore un petit peu. J'aime bien, moi, ça va faire des... Je sais pas comment appeler ça, mais... Un petit style, je vais même faire... Je sais pas si... Ouais, non, faire vraiment des beaucoup plus petits avec ma pipette archaïque. Alors, je vous montre avant séchage, comme ça, je vous évite le bruit du heat gun. Je peux juste pas trop, voilà, incliner tant que c'est pas sec, mais vous voyez, on a obtenu des ronds. Je sèche et je vous montre. Voilà. Bien, écoutez, pour moi, ce début de test est vachement concluant. Comme quoi, on peut utiliser des encres alcool sur du matériel moins cher. Avec pas de diluant spécial, mais juste de l'alcool. Alors voilà, hein, je vous dis, j'ai pas la prétention de savoir faire des trucs de ouf avec les encres à alcool, mais voilà, on obtient quand même, on peut obtenir, bon ici ça fait un peu arc-en-ciel parce que voilà, j'ai voulu optimiser le papier, j'ai tout fait sur le même papier, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant, je suis curieuse de voir ce que ça va donner sur papier vélum. Alors, j'ai un morceau de papier vélum ici, n'est-ce pas? Donc, je vais tester les couleurs que je n'ai pas encore testées, c'est-à-dire ici les orangés et les gris et noirs sur le papier vélum. Et nous allons voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. Je vais peut-être d'abord... regardez ce que ça donne sans alcool parce que le papier vélum est quand même vachement fin. Hop, je prends du noir, je vais essayer de mettre du noir au centre. Ça se diffuse comme je le pensais. Maintenant, on va mettre un peu d'alcool autour pour voir ce que ça donne avec l'alcool. Hop. Avant séchage, on ne voit pas une grande différence avec et sans alcool sur le papier vélum. Donc, il faudra voir au séchage. J'ai juste envie de dire que avec l'alcool, la matière bouge un peu mieux, mais on ne voit pas une aussi grosse différence que ou alors c'est peut-être parce que c'est du noir. Je ne sais pas. Je vais remettre de l'alcool et je vais tester une des couleurs. Là, je ne sais pas encore le rouge ou l'orange. Bon, j'aurais pu prendre un récipient pour mon alcool. J'ai sans plus de mal à y arriver dans la bouteille. Donc, on voit quand même si ça s'éclaircit. Je pense que si je fais ça, hop, quand ça va s'étaler, ça va faire des ronds plus clairs. Alors. Allez, hop, sors de là.
Donc voilà, je suis désolée, hein, j'essaye de vous entendre certainement la télé du bas. Vous entendez quelqu'un crier comme un oufissime, c'est mon fils qui joue. Mais il fait chaud, donc réussir à filmer dans le calme, c'est un peu mission impossible. Vu que tout est ouvert, que les enfants sont dans les chambres en mansarde, où il fait le plus chaud. Donc, sincèrement, ça tache les mains dès que. Voilà. Moi, j'ai un pot qui s'est retourné, plus là, le papier vellum, ça tache très fort les mains. Donc, si vous n'aimez pas, à mon avis, avoir les mains qui restent en couleur très longtemps, ne faites pas comme moi, mettez des gants. Parce que c'est quand même solidement pigmenté. Bon, jusqu'à présent, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, les paillettes n'ont pas grand intérêt. Il y a des endroits où il y en a qui sortent plus que d'autres, enfin voilà. Donc, bah bon, elles sont là, mais ça n'aurait pas été cata s'il n'y en avait pas eu. Donc, lui, je le remets là. Histoire de pas trop souvent couper, je vais essayer, mais j'ai un peu peur que toutes les couleurs se mélangent du coup. Le long du noir, je m'inquiète pas trop, c'est du noir, mais vous voyez, du coup, ça passe en dessous. Je vais essayer de voir si je sais appliquer le rose, mais si je vois que ça ne va pas, je sécherai pour ne pas faire de cata. Alors, j'espère que je suis encore dans le champ du coup. Je vais essayer de voir ici pour en mettre. Comme ça, vous voyez aussi comment ça se mixe quand c'est pas séché. Bon, ici, c'est des couleurs qui vont bien ensemble, donc vous pouvez hein, les mixer, c'est joli même. Mais vous voyez, ça se mélange vraiment. Donc, si c'est des couleurs qui vont pas ensemble, séchez bien entre deux applications. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on va faire le gris, c'est le seul qu'on n'a pas fait. Et puis je vais sécher tout ça et je testerai avec mes gouttelettes par-dessus, mais ça se voit pas trop sur le noir parce que le noir est très foncé. Mais honnêtement, sur les autres couleurs, j'aime beaucoup l'aspect que vous voyez, ça devient cata. Pour ne pas que ça se mélange, ça va être compliqué. J'aime beaucoup l'aspect que ça commence à prendre là sur le papier vellum. Je suis pas sûre qu'on va voir très fort la différence entre le gris et le noir. Atténuer un petit peu. Bon, écoutez, je vais sécher et je reviens. Me revoilà. Eh bien, écoutez, franchement, sur le vellum, j'adore le résultat. Vous avez vu ici ce que ça donne dans les couleurs. Bon, le noir, il est très noir. Je pense que j'ai peut-être été un peu trop fortement avec la dose. Donc, voilà. Comme on voit que ça se dissout déjà comme ça super bien sur le papier vellum, j'ai perdu ma pipette. Catastrophe. Où est-elle? Ah. Je vais essayer, bah, comme on a fait sur l'autre, de reprojeter de l'alcool au-dessus pour voir si ça va me refaire des taches plus claires ou pas. Voilà. Je vais patienter quelques secondes. Je patiente avec vous, hein, comme ça vous voyez si la matière commence à bouger. On aura des ronds peut-être moins bien définis.
que sur l'autre, mais moi je vois la couleur qui a bougé légèrement. Je sèche et je vous montre. Eh bien, voilà. Alors, oui, j'ai réussi à obtenir des taches, mais je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, le noir, vous voyez au milieu. Bon, c'est juste moi qui fais mes taches moins délicatement, là, là. Donc ça fonctionne aussi. Par contre, vous avez le côté très brillant, très glitter qui ressort sur le papier vellum. Honnêtement, j'aime beaucoup le rendu sur ce papier-ci. Écoutez, de mon côté, je pense que je vais m'amuser à remplir la fin de mon papier vellum. Et voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu, vous aura servi. Si vous hésitiez à les acheter, bah écoutez, pour moi, en tout cas, je vous dis peut-être pas pour faire des trucs de pro, mais pour faire de la patouille, elles sont top, surtout quand on part du principe que bah c'est 1 € pour 2 bouteilles. Si vous regardez les prix en Ranger, vous êtes à minimum 6 € la petite bouteille. Donc voilà. Eh bien écoutez, comme d'habitude, je vais vous mettre à gauche, à droite, compte Facebook, Instagram, etc. etc. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'aime beaucoup vous lire. Encore 1000 excuses pour bah, mon absence. De ces derniers jours. Je n'ai pas oublié, je dois vous faire le dernier tuto avec les pochoirs de structure. Voilà, j'ai d'autres idées. J'ai un junk aussi que je dois absolument. Voilà, je l'ai commencé, mais je suis hyper en retard. Donc, il y a un côté de moi qui a envie de vous filmer certaines étapes du junk et un autre côté de moi qui me dit, t'es très en retard. Donc, je ne sais pas. Bref, j'arrête de blablater. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et ben voilà, moi je vous fais des scrap bisous et je vous dis à bientôt.